je me suis retrouvé au milieu de la mer, je me suis dit, en fait, le monde est un moment, tu dois avoir une place quelque part. Ah oui, oui. Et après, tu la cherches. Mais c'est vrai que la mer, elle t'apporte ça aussi. Là, tu te retrouves, tu vois plus une fois, tu vois plus rien. C'est bien, hein. Tu te dis, c'est immense, quoi. C'est immense, il y a bien quelque part... C'est-à-dire que c'est celui-là. Là. Et voir si ça sur un mètre. Il y en a un qui m'a dit, écoute Jeff, c'est la première fois depuis 3 ans que je quitte, enfin que je fais 200 km, etc. Et rien que ça, une remise en mouvement importante. Les kilomètres sont importants. Bateau, on va toujours aller. Bateau, ça permet ça. Voilà, ah, c'est vrai que. Un canon d'Angleterre, mais toujours en mer. Et 24 heures de mer. Et là, tu le ressens physiquement, quoi. Ah ouais. On va faire une si courte. Un déplacement en kilomètres, quoi. Il y a à peine 200 bornes. 20 heures. Pour Plymouth, ben, on a eu la même chose puisqu'on avait une remise au mouvement avec un vecteur qui était que certains connaissaient peu, puisqu'on a fait des stages quand même de navigation pour acclimater les gens, des stages avec les différents modules et pour avoir une montée en puissance crescendo. Mais c'est vrai que le Plymouth ça a été fantastique parce que la traversée qu'on a faite, la nuit on a été ballotté, on avait je crois un vent force 7. Mais je pense que ça a mis tout de suite l'ambiance et ça a été éprouvant. Mais ça a donné un goût à ce voyage. On n'aurait pas eu la même semaine si on avait eu un temps calme et serein. Moi j'aime bien d'ailleurs cette période de pétrole total, le bateau avance plus, t'attends. T'as plus un bruit, ça doit être. Tu vis. T'as plus un bruit, on veut toujours aller plus vite que tout, tu mais. Vis, t'as des oiseaux autour, t'as des poissons, des dauphins qui sautent et machin. Tu prends le temps de regarder la nature, quoi. C'est important. Ah ouais. Partage d'expérience avec ça. Ouais. Puis le fait déclencheur est différent à chacun, mais la chronologie. Après, ouais. On a tous. Le fait déclencheur, il est différent. Moi, ça va être. La tank qui a explosé. Lui, ça va être autre chose. Mais après, la chronologie dans la réflexion et puis tout, c'est exactement la même. Ouais. Mais il y a quand même. Mais le du coup, côté tu vas chercher un truc posé. Et c'est vrai que c'est pas mal comme projet, parce que t'as quand même une aventure. Ouais. Le côté aventure, le côté fun. En même temps, le côté. La paix, quoi. Mm-hmm. Ouais, c'est clair. Tu vas chercher de la paix, quoi. Bah, c'est ce qui se passe avec les routeurs.